Salut tout le monde, donc aujourd'hui on est le 22 décembre 2012, il est 18h05. Il y a quelques minutes, il y a une dizaine de minutes environ, je tombe sur Polar Shiny. Polar Shiny. Alors, je suis à la tour Dragospire en hiver dans les herbes doubles. Et donc je voulais faire cette recherche déjà à l'approche de Noël et je voulais voilà avoir un shiny en rapport avec Noël. En fait je voulais plus Aedin ouais, en référence au règne du Père Noël. Mais bon je suis tombé sur Polagriffe et puis c'est pas plus mal comme ça parce que bon Polagriffe et tout est un magnifique shiny. Alors je pense que. Alors j'ai commencé ma recherche avant-hier, je n'ai pas chassé hier, donc j'ai repris aujourd'hui, donc là j'en suis dans les 1200 rencontres à peu près, 1200, 1280 à peu près. Et donc j'étais sur Skype, voilà, je commençais à parler avec Articode sur Skype par écrit, et dans la minute qui suit, Polagriffe se met à apparaître. Donc j'ai entendu les étoiles. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et je regarde ma console, enfin je regarde mes deux consoles parce que j'ai une deuxième console à côté. Je regarde ma DS XL, je vois rien. Enfin je vois rien de shiny du moins. Je vois qu'un Aiden et un Kung Fu. Et sur ma DS Lite, je vois Polagriffe shiny. À côté de Serboul, là comme vous voyez là. J'étais assez surpris de cette apparition, je pensais pas le trouver tout de suite. Alors ça fait presque un mois que j'ai pas eu de Shiny parce que j'ai rien eu depuis Cresselia il y a presque un mois. Le 23 novembre j'ai eu et là on est le 22 décembre. Et donc je passerai pas un mois sans Shiny, puisque j'ai trouvé ce Polagriffe aujourd'hui. On va arrêter ce blabla inutile et passer à la capture. Là je suis déjà dans le menu Pokémon, alors qu'est-ce que je. Il va falloir que je dégage ce Serboul. Je vais mettre Manternel déjà. Voilà, je switch mes radars sur Lanternel. Et là, je fais un Machoui sur Sorboule. Voilà, je dégage Sorboule. Alors, on le voit peut-être pas, mais le corps de Polagriffe, il change. Mais il change quoi, c'est. Sa fourrure, elle change. Mais énormément, je veux dire, là c'est. Donc voilà, pour la griffe que j'étranche, sans mon maternel. Bon. Ah ouais, la tempête de grêle. De toute façon, lui, c'est insensible à la grêle, donc. Voilà, lui, la corgèle. Alors. Je vais tenter d'endormir pour la griffe. Et je vais m'occuper de Sorboboule avec Escroquo, qui est niveau 36. Donc voilà, Sifflerbe a marché. Voilà, donc lui il reste en vie sans boule, le sans boule là. Il fait avalanche. Enfin, ça fait un mal. Enfin, ça fait un mal, je suis quand même niveau 102, mais bon quand même. Donc là, comme vous voyez, il grêle. Donc voilà, je suis tombé un jour grêlé. Enfin, il grêle pas tous les jours, hein, même enfin, en hiver. Mais là, là, je suis tombé sur un jour grêlé, donc ça ralentit un peu les rencontres. Bon, ça va, hein, je veux dire. Fauchage sur Polagriffe. Et toi, tu vas faire Machou sur Sangoule. Allez, dégage, Sangoule. Plus besoin de toi. Ok. Donc lui, il a ri de neige. Voilà, je suis contre un Polagriffe qui a ri de neige. Donc j'ai quand même pas mal de chances de pouvoir réussir
le si ferme. Donc ça va, il dort toujours. Donc là, je vais tenter de faire fauchage sur Polagriffe. Et lui, je vais switcher parce que je peux pas utiliser de Pokéball. Je ne peux utiliser qu'une Pokéball que si. Je vais mettre Golem à stock. Je peux utiliser une Ball que si aucun de mes deux Pokémon agit. Si il y en a un qui. Enfin, si mon terrain agit, je peux pas utiliser de Pokéball avec le deuxième. Parce qu'en fait, la Pokéball, enfin, le lancer d'une Ball. Se fait sur sur le tour des deux Pokémon en même temps. Alors voilà, donc avec quel ball je vais le capturer. Sachant que je suis dans ma version sur ma version noire, j'ai le choix. Je sais pas trop, je vais peut-être utiliser la Scuba Ball, tiens. La Scuba, pourquoi pas. Alors, je suis sur ma version noire, je peux faire. Ouais, j'ai la possibilité de faire des critical capturés. Bon, au moins, il m'aura pas posé de problème. Je sais pas quel est le taux de capture de Polagriffe, mais bon. Polagriffe. Alors, un surnom. Eh bien, vous allez être étonné, mais j'en ai un. Alors. On passe en minuscule. Ah, j'ai pas de stylet, c'est chaud, quoi. Non, j'ai passé mes deux devant le. Mais en plus, je me loupe. Regarde, je suis avec les doigts là. Voilà le surnom. Donc, ben, je pense que vous saurez d'où ça vient. Enfin, les connaisseurs savent d'où ça vient. Alors. Et pour ceux qui ne sauraient pas d'où ça vient, en fait, voilà, ça vient d'un jeu, enfin, plutôt d'une série, en fait, donc la série Ratchet & Clank, sortie sur PS2 et sur PS3 aussi. Il y a eu aussi un épisode sur PSP, mais bon, voilà. Et donc, en fait, dans Ratchet & Clank 2, donc le deuxième, il y a une planète qui s'appelle Grelbin. Et cette planète a la particularité donc d'avoir une très basse température et d'être habitée par des espèces de Yeti. Et donc en fait la première fois que j'ai vu Polagriffe, ça m'a fait penser à ces Yeti qu'il y avait sur cette planète. Donc d'où le surnom de ce Polagriffe. Voilà. Non, je suis ok. Alors évidemment j'ai mon équipe pleine. Alors je vais chercher Polagriffe. Alors, une autre chose, je suis sur ma DS Lite et j'ai des boutons qui sont défoncés, alors j'arrive pas à. Vous voyez, hein, c'est. Attends, j'ai enlevé la bicyclette, parce que ça va peut-être être plus simple, voilà. Donc voilà, je disais, j'étais sur la DS Lite, donc mes boutons sont un peu défoncés. J'arrive pas trop à me déplacer. Donc là, on va aller déplacer. On va aller déplacer. Alors, où est-ce qu'il est? Il est où? Ah, je suis dans la boîte 3, évidemment. Il est dans la boîte 4. Ah, je le vois. Il est là. Donc voilà. Il s'agit de Grelbin, le Polagriffe. Alors. Il est l'âge de nature. Bon, ben. Ouais, d'accord. Oups. Oh zut. Non, c'est l'autre sens. Voilà. Donc on va. Voilà. Prenons sur le respire, donc là où j'étais, le 22 décembre aujourd'hui. Voilà.
Donc voilà le spécimen. Donc capture au niveau 37, évidemment comme on a vu, et c'est un mâle. Donc voilà, on voit de le face, du dos, voilà. Eh bien écoutez, je vais le prendre avec moi. Alors, déplacer dans l'équipe. À la place, dans... on va mettre mes radars en... à la place de mes radars. Si vous me permettez donc voilà. Donc là, je vais reposer la caméra. Voilà, c'est mieux. Alors, donc là, on va faire, des rencontres avec Paul Agriffe, mon nouveau shiny. Donc, qui est le 27e, puisque voilà, Cresselia était le 26e. Donc voilà, un Paul Agriffe normal. Il est vrai quand même que sa fourrure, voilà, la couleur de sa fourrure change, hein. Ça se voit peut-être pas beaucoup sur la vidéo, mais ça change drôlement, quoi. Ça change drôlement, et voilà. Vous n'avez pas réussi à fuir. Alors ça, c'est pas mal. En plus, ça fait bien mal. En plus, je me prends une para, donc ça, c'est... Je suis là sur la scroco qui va prendre cher. Évidemment, ça a l'air de faire bien mal en plus. Alors, mettre. Voilà, Mon terrain, mais bon, comme c'est mon Paul Agriffe qui est en premier, qui est à gauche, je risque de pas pouvoir fuir quand même. Voilà, alors. Donc là, on a fait une rencontre avec mon Paul Agriffe. Bah, qu'est-ce que j'ai ajouté? Voilà, que c'est cool, c'est bientôt Noël, et voilà. Et quoi de mieux pendant les fêtes de Noël de rencontrer un Pokémon classe. Enfin bon, là, on est le 22 décembre, on est le jour de l'hiver, et le jour de l'hiver, je tombe sur un Pokémon glace. Qui n'apparaît qu'en hiver, donc c'est plutôt pas mal. Ah oui, attendez, j'allais oublier le chiffre. Le chiffre, bah oui, parce que voilà, pour calculer les chiffres, en fait, j'utilise la carte dresseur, le verso de la carte dresseur. Alors 16106, donc ça c'est le nombre actuel de rencontres sur ma version noire. Alors attends, faut que je compte aussi. Alors 16106, sauf que j'ai fait une rencontre tout de même, mais bon, une rencontre quand même, donc ça fait 16105. Alors ici voilà, sur ma version blanche j'ai 10289. Alors 16105 plus 10289, j'enlève 15387. Alors ça, c'était le mon nombre de rencontres sur la version noire avant de faire cette recherche, et j'étais à 10076, je crois, pour la version blanche. Alors je regarde sur mon portable parce que j'ai mis en temps de brouillon. Alors 10076, c'est ça. 76. Oula, il y a un problème. J'ai dû. Alors on va refaire. 16105 plus 10289 moins 15387 moins 10076. Ça nous fait 931. Ça fait 931 en ajoutant les 355 en double, donc plus 355. Ça fait 1286 rencontres.
Donc c'est très bas. C'est extrêmement bas. Et j'ai fait quoi? 2 jours de recherche. C'est-à-dire que j'ai commencé la recherche avant-hier, j'ai pas chassé hier, j'ai repris aujourd'hui. Donc j'avais fait 700 rencontres avant-hier. Et donc là je reprends aujourd'hui, je m'approche de 600 rencontres et donc ben, voilà quoi. Donc voilà, sachez que c'était ma recherche secrète de Noël. Donc comme vous avez pu voir, je sais pas si vous regardez souvent le topic qui est vous en train de chercher sur SH, pour ceux qui sont sur SH. Mais voilà, sachez que c'était ma recherche secrète de Noël. Donc je suis heureux donc quand même de l'avoir trouvé assez rapidement. Surtout que je j'ai pas chassé énormément en ce moment, donc voilà quoi, depuis jusqu'à ce là j'ai presque pas chassé quoi. J'ai dû faire quoi, j'ai dû faire une belle cinquantaine de fulguris avant de me dire bah voilà, je vais débloquer ma version blanche pour faire du double. Version blanche que je vais recommencer en faisant un speedrun pour prendre Fulguris. Alors, ensuite, je sais pas si je vais refaire cette recherche, parce que bon, quand même, ma cible principale était quand même Aïda. Alors, je pourrais le faire en changeant la saison, mais bon, là, après, c'est... Enfin, je sais pas. Là, je le ferai pas maintenant parce que voilà, si je change la saison, ça fait beaucoup moins Noël, ça fait, enfin, je sais pas, ça s'accorde de moins avec Noël, du moins, en changeant de saison, parce que bon, Noël c'est quand même en hiver, et si on change la saison, qu'on se met au printemps, ça fait un peu ridicule quoi. Donc je pense que j'ai changé de recherche. Ben, je sais pas. Je sais pas, je peux reprendre Rayquaza comme je peux reprendre Terral. Je peux également reprendre la grotte électrolyte, mais ça je la garde pour le tour. Quand on arrivera à l'étape de la grotte électrolyte dans le tour, bah, je reprendrai cette recherche. J'ai aussi la forêt Vestigion que j'ai sur la version noire, qui est en pause, et que je reprendrai également pendant le tour. La forêt d'empoigne, j'ai dit quoi? J'ai dit la forêt vestigion, non, c'est n'importe quoi. C'est la forêt d'empoigne. Et ben, je pense que. Soit je vais reprendre une des recherches que j'avais mise en pause sur Platine, ou sur Erdos ou Silver. Parce que j'avais commencé aussi Créel, je fais mais bon. Non, je pense que je vais reprendre Terral. Donc là, allez-y pour les resets de troupeau, parce que sur une de mes versions platine, j'ai plus le troupeau de Terral. Étant donné qu'elle me servait justement pour le. Pour le Shiny Tournament. Bon, j'ai pas été là-dessus. Étant donné que ça fait bientôt 20 minutes que je fais cette vidéo. Et là en fait, en gros, là je suis en train de parler pour ne rien dire. Alors, on va admirer aussi la forme Pokédex, tiens. Pour terminer, parce que bon, je pense que. Alors, pourquoi je suis sur Victini moi? Alors, Polagris c'est 614, je l'ai vu tout à l'heure. Enfin, j'ai eu le numéro de son Pokédex tout à l'heure. Donc là, voilà, c'est le Polagris normal. Alors, hop, on va tourner la caméra ici pour voir l'écran du bas. Et donc dans forme, donc voilà, mâle, on est dessus, mâle chromatique, voilà, ça c'est la classe, voilà, on va les interchanger, comme ça j'aurai la forme chromatique dans la liste du Pokédex, et on va les faire bouger. Voilà, donc ben cette vidéo va toucher à sa fin, enfin. Bon, alors j'avoue que je suis pas.
Je ne pense pas que la vidéo va être extrêmement intéressante pour vous, hein. Je suis en train de raconter un peu ma vie dans les 3/4 du temps, donc ben, j'espère que ça va pas trop vous ennuyer. Ceci dit, je vous dis à bientôt. Peut-être voilà que je vais vous faire un petit bonus pour Noël parce qu'on arrive bientôt aux fêtes de Noël. D'ailleurs, sachez que Noël dernier j'ai trouvé Fantominus. Donc je pense que si je fais un bonus, je vais mettre Fantominus, enfin Ectoplasma maintenant en avant. Dans ce bonus, ben justement pour voilà. Donc ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite aussi bonne chance. Une petite dédicace à Articote qui était là sur Skype, bon à l'écrit, mais qui était là au moment où j'ai trouvé pour la griffe. Ce qui est étonnant, c'est que je commençais à lui parler, mais je commençais juste quoi. Ça faisait. Bah, je vous ai dit, hein. Je commence à lui parler à 17h56. À 57, il apparaît. Donc voilà. Donc je vous dis. Ah, je pense que c'est tout, hein. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que vous trouverez vous aussi des magnifiques shiny. Et je vous dis, pour la griffe est très beau, comme ça. Allez, à plus.